Yo, what's up with it, man? It's your boy, No Taz, only La Tongarcir a la. Now, we here with Francois Damien, Le Tattooer. Vous m'avez dit, regards, celui là. So, aujourd'hui, on va regards, celui là. Y a beaucoup de gens qui a dit que lui est peut-être plus drôle que le Palmachot. Le Palmachot est drôle. Y'all say he's leading too drone now. Come on, guys. On verra là. L'âge va voir vite fait, hein? So let's go. The tattooer is François Damien, your fake passport and tattooer. Le carnage. Bonjour. Excusez-moi. Quel homme? Hein, excusez-moi. Pas de soucis. Excusez-moi. Ça met une boule tatouage, je suppose. Ouais, voilà, exact. Bonjour. Voilà, je viens vous voir parce que j'ai un tatouage que j'ai fait par un professionnel. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir si on pouvait refaire quelque chose dessus parce que j'ai regardé, on m'a dit de venir avec des exemples et tout. Et je vois pas ce qu'on pourrait faire dessus pour le camoufler ou alors l'intégrer dans autre chose. Ok. Faudrait que tu retires ton t-shirt, peut-être. Ah, bro, come on, you got a pair. Moi, ce que je pense qu'il y a moyen de faire là. Si on part du côté de la savane, je te fais un lion. Mais regarde ton tatouage là. Ça, c'est le tatouage de Mickey et 16 ans. Tu sais, hey, le premier tatouage, c'est toujours. Non, pas toujours, mais quand tu prends, tu fais le tatouage quand tu es 16 ans, c'est. Hey, mon frère, je me souviens, non, lui était, non, peut-être il était 18 ans. 16 ou 10, moi j'avais, on est 6 ans d'écart, j'avais 12 ans ou 10 ans. Je pense 12 ans, et lui avait tatoué un schtroumpf. C'est ça, bro. Un schtroumpf qui fume. Man, damn, bro. Et il faut que tu gardes ça à vie. Donc, on pourrait intégrer ici. Ici, au-dessus, un petit koala. Là, éléphant. Et ici, on peut imaginer tous les serpents qui remontent. Voire même avec des spermatozoïdes qui pourraient venir de derrière. Ok. Ouais. Ça va, ça? Ça part loin, ouais. Hein? Ça part, non? Ça part loin, ouais. Ouais. C'est pas mal. Quand l'aiguille va rentrer, il va probablement hurler. Parce que je dois aller toucher les os, en fait. Pour être sûr qu'ils tiennent. Vous pouvez pas me faire un truc plus léger en fait. On va te foutre une perf au Valium et on va te foutre un peu d'oxygène dans le Valium. Attends, il faudrait que tu me donnes ton résus aussi. On a des poches de sang. On va te rajouter d'office un litre de sang avant de commencer. Comme ça, on est sûr que tu ne seras pas. Un litre de sang. Ah oui. Je sens pas. Non, je vais stopper. Mais le bas du dos, c'est là où il y a le plus de sang. Non. Tu l'as fait où celui-là? Dans le 15e. Il est pas dans la cage. Non. Il manque un truc là. Ouais. Et la pâte là qui est un peu. Ouais, la pâte, et puis on pouvait mettre ça d'aide. Des antennes ici aussi. Je te montre ce que j'aurais fait, tu vas directement me dire. Et, hein, tu lui fais simplement déjà deux antennes ici. Ouais, ça. Ouais. Déjà tout simplement, tu lui fais comme des petits poils comme ça. Ouais. Tout simple, tu rajoutes dedans. Ouais. Tu vois comme s'il parlait, qu'il y avait. Mm-hmm. Ici, il n'y a rien qui empêche de. Une petite pyramide comme ça. Hein? Non, mais là, tu me refais tout le corps. Là. Non, non. Comment je veux dire? Ouais. Quitte ta mame, tu vois? C'est très bien imaginé que ça aille jusqu'ici, jusqu'au niveau de ton téton. Bon, là, il faudra raser. Ici, je fais une petite toile. Puis ici, Eric, après, je fais la ligne de l'horizon. Enfin, bon, je ferai plus petite, hein, naturellement. Okay. Avec un coucher de soleil, comme ça, ici. Tac, 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 tac. Eh ben, ça part de ça et on en arrive voilà, à mais ça. C'est un peu de l'imagination. Voilà, exactement. Et moi, je verrais plus un gros taureau avec une grosse tête un peu méchante. Ouais, ça, on peut faire aussi. Faisons ça. Faisons ça. Que là, c'est quoi là? On va le faire. Ah bah non, attends. Je viens juste le pigment. Attends. Faisons ça. Que là, c'est quoi là? On va le faire. Ah bah non. Non, je viens, je suis pas enseigné pour l'instant. Je regarde juste si le pigment. Mets-toi en arrière. Parce que là, je suis pas vraiment parti pour le faire tout de suite. Ok. Hein. Ouais. Bouge pas. Hein.
Oh, ça va. C'était ça l'idée. J'ai eu la bonne idée, je crois. Non, non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Attends, parce que si tu bouges après ça... Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, non, mais c'est tatoué, là? Ouais. Non, je voulais... Attends, c'est tatoué, là? Hey, bro! Come on, man. Hey, dog. No. Ah non, mais je voulais... C'est tatoué, là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi, ça? C'est un élan. Je peux te faire un taureau. Non. Allez, tout de suite. J'ai fait un tatouage par Yannick il y a un an et demi. Ouais. Après. Et je trouve qu'il est pas assez noir, tu vois? Ouais, je peux te le noircir. Il m'a dit, ouais, je peux le noircir en 5 minutes. Bon. Qu'est-ce qu'il a foutu là, Yannick? Travailler comme un porc. C'est dégueulasse comment il a fait ça. C'est parti. Vraiment travailler comme un porc, hein, l'autre. Pour attraper ça, hein. C'est pas évident à rattraper. Hein. Voilà, bon, je te l'ai fait. Ouais. Sympa, non? Mortel. Ça ressemble pas trop à un papillon. Non, mais c'est ça que je te dis. Le problème, c'est que comme le papillon avait été raté d'emblée, moi j'ai dû repartir sur une base. D'accord. On fait pas des pommes avec des poires. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, moi, ce que je t'ai proposé de te faire, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est-à-dire, ça ressemble vraiment à une migale d'Éthiopie. C'est comme des espèces de tentacules, c'est des bêtes du désert, hein, ça vit à 50 degrés. Hein. Ils ont beaucoup de pattes pour ne pas être en contact trop fort avec la chaleur. Ouais. Je voulais juste qu'on me remette de l'encre sur le papillon. Là, j'en ai remis ce papillon. Ah ouais, ça c'est le cas de le dire, pour en avoir remis, t'en as remis, ouais. Je réfléchis parce que. Tu vas faire la muscu. Bah ouais, je vais faire. Il faudrait mieux revenir quand t'as fait la muscu. Pourquoi? Parce que là, t'es un peu gringalé. Ouais. Et au moment où tu vas commencer à vouloir te gonfler, regarde-moi. Tu vois? Tu vas avoir ton tatou qui va s'étendre. Ouais. Ça va plus rien donner du tout. Il faut faire les choses dans l'ordre, quoi. Développe-toi musculairement, prends de la masse. Mais ça, c'est même pas sûr que j'en prenne, en fait. Bah, si tu... Hey, il faut faire les choses dans l'ordre. Tu vas faire le muscu, prends de la masse. Hey, this dude's crazy, bro. La femme, elle a dit, je veux que le papillon soit plus noir. Et le mec a fait, we are in a ringier. Tu bosses, tu vas en prendre. Je trouve ça moche d'aller faire ça alors que tu n'as pas encore de masse. Tu comprends? Non, mais là, c'est pas bien, là. Là, c'est le, ça y est, ça part plus après. Ah non, là c'est tatoué là. Quand on prend le pistolet en général, c'est que c'est définitif. Hein. Mais c'est pas du tout ça que je voulais. Oh purée. Bon, regarde. Attendez, je crois qu'on va arrêter. Attends, là. Deux yeux, regarde. Non, stop, mais c'est attends, quoi ça que attends. Non, attends, je fais la pointe. Je fais clac. Non. Franc contre pour, clac, je fais une 5, moi. Une pointe ici, quand c'est... Non quand c'est... Mais surtout pas. Je ne voulais pas du tout ça. Attends, alors regarde ce qu'on va faire. Vous me faites quoi? Vous me faites tout le pied noir, là. Je te dis, on se fait une fausse idée des étoiles. On croit toujours qu'une étoile, c'est quelque chose de très régulier. C'est pas vrai. Une étoile, c'est un objet qui vient de l'espace. Ça s'arrête là. Vous avez fumé... Mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas l'enlever? Ben non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es vexant. Imagine-toi, moi j'ai mon coucher de soleil qui va arriver ici. Mais oui, mais attends, je me suis... L'espermatozoïde, comme on avait dit. Non, tu laisses l'espermatozoïde, je choisis mon dessin, je me le fais tatouer. Tu me fais pas un truc à main levée comme ça sur le corps Quand tu mets une chemise, on le voit pas. Hein. Oui, vous l'imaginez comme ça. Non, mais attends, mais écoute-moi, mais ça ressemble à rien quand même. T'es d'accord avec moi? Moi j'aime bien, moi. Je trouve que l'élan est plus beau que la perruche.
Ah bon, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même sens artistique alors, hein. Ce que je peux te faire, je peux te faire un papillon sous le pubis. Je te fais un autre papillon sous le pubis et c'est terminé, hein. T'as une mygale sur le pied, t'as un papillon au pubis et c'est réglé, hein. Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? Hein? Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? C'est quoi? Deux lombrics comme ça. C'est quoi le pubis? C'est quoi le pubis? Is it the public, the pubic, c'est quoi le pubis? C'est quoi le pubis? The pubic area ou quoi? Hein? Tu veux que je te fasse un lombric sur le pubis? Mais deux lombrics comme ça qui se croisent au pubis? Hein? Tu veux pas que je le fasse plutôt autour de ton sexe? Non. On profite de ton sexe pour faire le nez. Non. On fait le nez, ton sexe serait le nez. On peut très bien le retourner. On pourrait imaginer que tes testicules sur les yeux. Non. Ben, je vais te le faire sur ton derrière. Non. Tu veux pas sur ta fesse? Non. Très beau, tu sais. Sur ta fesse. Là, tu m'as pourri ma vie. Ah non, je gère pas. Moi, ce que je te propose de faire... Ouais. Non, tu sais ce qu'on va faire. Non. Il y a mon pied. Même pas. Ouais. Avec mes doigts de pied. Oh putain, je suis même pas dessinée, merde. Voilà. Ah, tu veux faire un tour ou un truc comme ça? Non, je veux pas faire de tour. Je vais rattraper. Ah, ok. Comme je okay. peux. Okay. Non, mais c'est pas possible, c'est moi qui fais le dessin là. Je pensais que t'étais bon. Bah, je suis bon. Non, mais franchement. Hey, on peut... Mais attends, il a pas encore ses narines. L'autre patte qui va arriver ici. On peut très bien imaginer une petite bûche qui fait coucou petite perruche. Coucou petite perruche ici, tu vois. Mais coucou petite perruche, mais tu rigoles ou quoi? Non mais. Mais non, on voit de sa bouche, on peut faire une petite boule comme un cartoon, on dirait coucou petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi. Non, mais tu. Mais y'a pas de cartoon, mais est-ce que je t'ai demandé de me faire un élan et de mettre des dialogues, de me faire une BD sur le corps? Tu me fais un vieil élan qui ressemble à rien. Un vieil élan? C'est un élan qui a 2-3 ans. Mais regarde, tu m'as fait un truc là, ça ressemble à rien, y'a pas de corps, y'a une vieille queue. Non mais arrête-toi. Si tu vois. Mais t'es malade dans ta tête! Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi, moi? Je comprends. Mais je vais faire comment sur la plage et tout? Je ressemble à rien! Mais c'est ce qu'on appelle l'art pictural. C'est pas pour rien que je suis considéré comme le meilleur tatoueur de la place. Je voudrais faire une photo pour le mettre dans mon catalogue après, si ça ne te dérange pas. Bah, je t'en prie, on n'est plus à ça près. Ok. Bon. Oh. La gueule. Putain, comment je. Elle, c'est un champion, hein. Parce que là, elle se laisse de Mickey pour le photo et ça. Elle n'a pas pété de plomb. Tu vois, elle est stressée, mais là, c'est une championne. J'ai du mal à imaginer que c'est moi qui l'ai fait, et moi que c'est bien fait. J'ai du mal à imaginer que c'est mon pied, moi. Merci. Ça, y a ça, quoi. Tu vas déchirer avec ça. Et sous de ma gueule en plus. Non, et en plus, moi je suis pas tatoueur là-bas, c'est ça qui est complètement. Non, moi je m'occupe de l'entretien. Mais comme ils sont débordés, ils me disent ah tiens, tu peux pas essayer de tatouer. Je dis t'as atteint, je suis pas tatoueur. Oh, que tu dis, c'est pas compliqué, c'est une étoile qu'elle veut. Je dis une étoile, je dis t'as atteint, c'est un métier de tatoueur. Hein. Bon, après ça, tu m'engueules, je veux dire. Non, mais alors, ok, je suis vraiment désolée, t'es pas tatoueur en fait. À la base, je suis pas tatoueur du tout. Tu sais, moi, je suis un rough, hein. Je suis un tatoueur professionnel. J'ai l'impression que je tatoue tellement de petites minettes, des petites bobos là, qui viennent me demander des petits papillons, des petits dauphins et des marguerites. Moi, je dis, non, ouais, j'arrête, alors je change de boulot, quoi. Moi, ce que je veux, c'est du boulot, quoi. Tu vois, c'est des mecs, des tatouages intégrales, regarde ça, quoi. Là, je me marre, là, je m'éclate. Exactement, aller me faire un tribal au bas du dos, je dis no way. Tu vas me demander un dauphin ici, je te dis no way. Tu vas me demander une marguerite ici, je vais te dire no way. Ça m'intéresse pas. Non, ouais, je peux comprendre. Ouais. Tu vas me demander de faire une girafe qui est occupée à tringler un alligator. Mmh. Je te fais tout ton dos direct. Ouais, j'imagine. Direct. On met la voie lactée ici, la voie lactée. Mais avec, la voie lactée, mais je me casse. Regarde, on met la petite ours, la grande ours, l'étoile polaire. Là, ici, on peut très bien imaginer une petite nichée de petits chats qui montent ici. Qui montent ici. Non, on arrête tout. On arrête là. Mais oui, mais je te montre. Tu peux m'essuyer, s'il te plaît. C'est bon, mais bon, mais je te montre juste. Essuie-moi, s'il te plaît. Sinon, tu sais ce qu'on fait. Regarde, je fais des petits bébés élans. Mais t'es un cinglé, j'arrête de parler avec toi. Mais t'es un cinglé, t'as tous les gens comme ça, toi. Mais t'es un cinglé, est-ce que je t'ai demandé de me tatouer? Tu me fais un dessin de gosse de 4 ans, quoi. Mais merde, mais non, mais c'est vexant, hein. Mais non, mais je suis vexant, mais tu rigoles ou quoi? J'ai l'air de quoi? On dirait un tatouage de tôle, on dirait que c'est un tôlard qui m'a fait le truc en tôle, quoi. On dirait que tu vas me faire une croix bientôt, là. Non, mais t'es cinglé.
Et si je fais, si je, regarde, et si je fais, regarde, si je fais, on la fait passer derrière le téton, on remonte, on fait l'infini, le motif de l'infini autour de ton téton. Rendors-toi, arrête de faire. Mais je dormais. Tu m'as réveillé, Fais pas des choses comme ça. J'ai l'air de quoi maintenant? T'as l'air d'un mec qui se fait piéger dans une caméra cachée, c'est tout. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ça part, c'est rien du tout, rien du tout. Et les autres, oh, je veux voir les autres avec les caméras cachées. Non, il est drôle. Tu m'as réveillé, j'ai dormi, tu m'as réveillé. C'est crazy, man. Dis-moi, c'est quoi le prochain qu'on va regarder? Dis-moi dans les commentaires, on est là. Il est drôle, j'avoue. I agree with you guys.